Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur Zion National Park, qui est la première vidéo de notre dernier road trip. Il se situe dans le sud-ouest de l'Utah et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un canyon que l'on peut visiter et il y a d'ailleurs pas mal de randos autant pour débutants que pour expérimentés. Voilà pour ces images, je vous retrouve tout de suite dans la partie bonus pour plus d'informations. Nous revoilà pour le bonus de cette vidéo. Donc là je vous ai sorti la carte du parc pour que vous puissiez avoir une meilleure idée d'à quoi ça ressemble. Donc si vous passez par là, on vous conseille de vous garer d'abord au Visitor Center et ensuite de prendre les navettes qui vont s'arrêter à plusieurs points du parc. Donc un premier point intéressant, ce serait le Zion Lodge où vous pouvez manger et acheter des souvenirs. C'est aussi le point de départ d'une rando qui mène à trois lacs. Ensuite, on a le point The Grotto, donc ça c'est plutôt pour les expérimentés qui veulent faire la rando Angel's Landing, qui est quand même une rando phare du parc, mais très difficile. Ensuite, il y a Weeping Rock, encore une fois pour les expérimentés qui veulent faire l'Observation Point Trail. Et enfin, donc là c'est vraiment pour tout niveau, le Temple of Sinawava. Donc c'est un trail qui est même accessible aux handicapés et qui mène à un autre trail qui s'appelle The Narrows et qui est en fait un trail un peu dans l'eau. Et donc là, en fonction de votre niveau, vous pouvez y passer plus ou moins de temps. Ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 8 heures. Voilà, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez dans les Narrows. Et voilà pour la carte du parc. Et en ce qui concerne les logements, si vous aimez bien les hôtels, on vous conseille la ville de Saint-Georges, qui est vraiment pas loin du parc. Et donc là, nous, on a choisi le Best Western Plus Abbey Inn, qui est très bien. On se quitte donc sur ce petit room tour et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.